David est la vie de ma mère, je vais le tuer. Voilà, il est nul. Il y a péno. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier vlog de Milan Actu. Ça faisait déjà un moment qu'on voulait tester ce concept, mais on voulait quand même avoir votre avis, donc on vous a demandé sur Twitter avec un sondage, et à plus de 90% vous nous avez répondu oui, donc on ne pouvait que le faire. Donc pour le contexte, aujourd'hui on est le 15 mai, actuellement il est plus ou moins midi, et à 18h ce qui nous attend c'est Milan-Atalanta, 37e journée de Serie A, ça va être incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi la course au Scudetto ou qui regarderaient cette vidéo dans le futur, on va placer un peu les bases. Milan est actuellement premier de Serie A avec 80 points, tandis que l'Inter est juste derrière avec 78 points. Dans cette avant-dernière journée du championnat, donc, Milan va jouer l'Atalanta aujourd'hui à 18h, tandis que l'Inter se déplacera sur la pelouse de Cagliari, qui doit forcément jouer son maintien, à 20h45. On aura le temps de reparler de l'Inter, entre-temps, c'est l'heure de prendre la direction du stade. J'ai tout de même l'impression qu'il manque quelque chose. Ah si, je sais. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on est prêt à partir, moi j'ai envie de dire. Allons-y. Ce qui est hyper cool, c'est que même dans les quartiers loin de San Siro, on commence déjà à sentir un peu l'ambiance. En sortant de chez moi, j'ai vu pas mal de gens porter voilà, les couleurs rouge et noir. J'ai hâte d'arriver au stade, je sens que ça va être complètement fou. On est un peu dans les parages de San Siro là. Bientôt il va y avoir la grosse révélation. J'ai vraiment... J'arrive pas à exprimer ce que j'ai dans le cœur là. Que ce soit le stress, l'envie de rentrer dans ces tentes, c'est incroyable. J'y suis déjà venu mais c'est là je sens un truc en plus là. Le voilà. C'est fou. J'ai hâte. Et oui, je sais pas si on a remarqué mais je suis déjà essoufflé. Il fait extrêmement chaud. Bon, on espère que on va pas avoir la clim pour nous refroidir une fois à San Siro. On veut rester bouillant. Oh là là. Oli, on a besoin de toi ce soir. Fais-nous rêver. Pas le meilleur choix de maillot pour le coup. J'espère que ça nous portera pas mal de chance. On va s'approcher de la courba. On les entend déjà, ils sont chauds. Ils sont très très chauds. Je viens de perdre l'usage de mes oreilles. C'est superbe ce qui se passe. Après un peu de tergiversation, on a enfin trouvé les autres amis de Milan Actu. Ici Théo. Ciao à tutti. Donc là, on est réussi à rentrer dans le stade. Il aura fallu changer d'entrée, mais on est rentré dans le stade. Donc là, on vous propose l'ambiance de San Siro. C'est parti. Absolument dingue, franchement. J'ai déjà vu des matchs à grosse ambiance, mais là c'est au-dessus. Il y a l'entièreté du public, c'est vraiment incroyable. Oui, Simone!
Mais frère, c'est quoi? T'es un danseur? Oh! Corner, corner! Mais ça suffit, les corners tirés courts! Mais putain! Je hais les corners tirés courts! Mais ils vont la refaire en plus! Théo, il est là! Putain! Moi, je vais mourir! L'AC Milan ne saura toujours pas tirer de corner! Oula, oula! Y'a rien, ma gueule! Non! Mais Orsato, ta grand-mère! Voilà, il est nul! Donne-lui son carton, frère! Ça va pas des masses, ça va pas des masses. Je suis au bord de la crise cardiaque. David est la vie de ma mère, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Nique ta mère! Fin de la première mi-temps. On s'emmerde. On s'emmerde. Il n'en trouve pas la faille. Il n'en trouve pas la faille. Il va falloir faire mieux en deuxième mi-temps. Putain, Krunic, tu me fais peur! S'il la met dans la lucarne, je me rase le crâne. C'était pas loin. Et il avait juste à la peine. J'ai vraiment cru. Putain. Mais sa grand-mère. On a tous cru que c'était lui. Allez, allez. Rebic aussi, Rebic. Bravo! Pas les corners, putain! Je vais mourir, je vais clamser, je vais mourir, on va me retrouver ici, mort! Voilà! Un Kalou, il est incroyable! J'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Est-ce que c'est le plus beau but de la saison? C'est peut-être. Est-ce que c'est le plus beau but pas de la saison? Mais quel mot le plus important? Là-bas, frère. Mais tellement le plus important.
Tellement. Il en vaut 100 au début de comme ça, ça en vaut 100. Italie, ça va pas culo. Italie, ça va pas culo. Italie, ça va pas culo. C'est absolument dingue. C'est dingue. Elle manque de calcium, elle était faible. Femme. L'appel est bon, mais qu'est-ce que c'est faible. Wisma, Wisma. Il est jeune, trop joueur, putain. Il est incroyable. S'il met un crochet ou une passe, un crochet ou une passe, la but. On n'a plus de voix, on est mort. On est à la 84e. Là. J'ai plus les mots. J'ai plus la voix, j'ai plus les mots. Incroyable. On vous entend pas. Voilà. 2 minutes plus temps additionnel, ça va le faire, ça va le faire. Malheureusement, Zlatan ne va pas rentrer. Ça pourrait être sa dernière à San Siro, c'est dommage. C'est dommage. J'espère qu'il renouvellera du coup. Il mérite un adieu correct. Absolument incroyable, c'est fou tout simplement, c'est fou. On est vidé de toute énergie possible, on n'a plus les mots. Pense, il nous reste encore Inter Cagliari là ce soir. Il nous reste, ouais, Inter Cagliari, il va falloir s'en méfier, mais après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le plus tard possible, mais on peut mourir l'esprit tranquille. J'adore. Quel stade, quel public, quel club. On vous laisse sur ces belles images. Bon bah me revoilà chez moi, Cagliari malheureusement n'aura pas fait taf face à l'Inter. On va devoir aller jouer le Scudetto à Reggio Emilia contre Sassuolo. Espérons tout simplement que l'équipe va assurer comme elle a fait aujourd'hui. Perso j'ai vraiment plus de voix là, j'ai tué mes cordes vocales parce que l'ambiance c'était vraiment incroyable. Je suis hyper content d'avoir pu faire cette expérience. En tout cas, je tiens à vous remercier, que ce soit ceux qui regardent la vidéo ou ceux qui ont fait le déplacement à Milan. On aurait aimé vous rencontrer dans des meilleures conditions, mais voilà, on a eu quelques problèmes d'organisation, ça n'a pas vraiment pu se faire. On a quand même pu partager un petit moment avec vous en fin de soirée, on a pu discuter, on a pu se voir, donc c'est vraiment cool. On espère vraiment pouvoir se refaire ça la saison prochaine. On a hâte de vous voir à San Siro, donc on vous tiendra au courant à travers les réseaux. Restez connectés. Personnellement, j'ai adoré pouvoir vous partager cette expérience. Donc si vous voulez plus de vlogs ou bien que vous ne voulez rater aucun de nos lives, je vous propose de vous abonner et de sonner la cloche. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. On a même un TikTok maintenant. Sur ce, moi, je vous dis ciao à tous. Forza Milan.